Hello there, we're here with the guys from Appeal to talk about the upcoming Outcast Second Contact, a remake of the cult classic. So let's start at the beginning. What is Outcast? Outcast est un jeu d'action-aventure dans un monde ouvert avec beaucoup de vie. Les personnages qui peuplent cette planète sont en vie et on peut interagir avec eux. C'est un jeu aussi où les personnages ont une personnalité forte. Donc il y a une forte interaction avec les personnages, on peut dialoguer avec tout le monde, ils ont leur propre cycle de vie et le personnage principal que l'on incarne a aussi un charisme assez marqué. Show yourself, you. Could you get me in the frame there, Mr. Cinema? No talent, hack, bastard. Puss for bullshit for brain, piece of shit. Qui est quelque part issu de notre volonté d'en faire une production un peu cinématique comme ça. Brilliant. Let's take five. Yeah. Yeah, I got it. What? Laura who? No, I don't want to talk to her. I don't care how much she's crying. Tell her I'm on a shoot. Damn women. Why, thank you, Cutter. Not you. And what inspires you? Les inspirations proviennent plutôt du monde du cinéma. C'est vrai qu'à l'époque où on a commencé le jeu original, on était un peu frustré par le manque d'ambition des jeux existants. On retrouve des éléments de films classiques comme Indiana Jones dans des séquences un peu d'aventure. On a aussi Stargate pour les portales, mais aussi la musique. Supporter l'ambition du jeu et le côté vaste des mondes par une musique symphonique. On a passé une annonce dans une publication à Los Angeles pour trouver un musicien d'Hollywood pour créer la musique du jeu. And the hero is the Uluka. What's the significance? En fait, le joueur débarque sur cette planète et apprend qu'il est l'élu, qu'il est un prophète. Il se demande, enfin, il ne comprend pas pourquoi au début. Et son nom est Lulukai. D'ailleurs, quand Cutter arrive, il est très surpris, évidemment, que les natives le prennent pour un prophète comme ça. Lui, il est là pour sauver sa propre planète, la Terre, puisqu'il est envoyé en mission là. Il va se rendre compte, effectivement, qu'il y a beaucoup de problèmes aussi sur la planète sur laquelle il arrive. Damn it, people, turn on your receivers! Outcast is often defined as being a revolutionary game. What was so groundbreaking about it? C'était un des premiers, même peut-être le premier en tout cas en 3D, jeu où on était vraiment libre de ses mouvements. On pouvait commencer les quêtes que l'on a à faire dans le jeu dans l'ordre que l'on voulait. Et on peut parcourir l'univers, le monde entier dès le début. Ça, c'est vraiment quelque chose que énormément de joueurs ont apprécié et apprécient toujours. C'est le fait de pouvoir interagir et découvrir un monde alien vivant. On peut vraiment découvrir leur culture parce qu'ils ont une vraie culture. Ils ont une religion, ils ont même une langue. Les Talam, qui sont le peuple qui peuple cette planète, ont leur propre langue, qui est une langue inventée, mais avec une vraie grammaire, avec des mots cohérents. D'ailleurs, ils se parlent entre eux dans cette langue, et c'est pas du tout random, ils se disent des vraies choses. D'ailleurs, il y a des fans qui sont amusés à traduire, et même à étendre ce langage, et à traduire ce qu'ils se disaient entre eux. Perhaps the most important question of all is when can we play Outcast Second Contact? Donc on pourra jouer à Outcast Second Contact cet automne. Sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Well, I hope you enjoyed the first part of our Outcast Second Contact interview. If you'd like to know more about Outcast, check out our debut trailer here. And don't forget to subscribe here.